Au large de la Californie, les grands requins blancs sont surveillés depuis le ciel. Ces prédateurs sont parmi les plus redoutés. Pour mieux les comprendre, Chris Lowe et son équipe les observent depuis un an grâce à des drones. La Californie du Sud est une réserve importante. Les requins considèrent ces plages comme des endroits où ils peuvent grandir en sécurité. Et la première chose que nous voulons comprendre, c'est comment ils interagissent avec les gens. Nos plages sont parmi les plus fréquentées dans le monde et la Californie est l'un des endroits où les gens sont dans l'eau toute l'année. Des millions de personnes partagent l'océan avec ces requins. Alors comment les requins se comportent à proximité des baigneurs et comment les gens se comportent à proximité des requins? Depuis le confinement, ces requins se rapprochent de plus en plus des côtes et des baigneurs. En lien avec les sauveteurs, l'équipe veut aussi améliorer la sécurité des surfeurs. En mai dernier, l'un d'eux a perdu la vie dans une attaque. Nous avons appris beaucoup plus à propos de leur comportement, leurs différents schémas de migration ici en Californie du Sud. Nous pouvons mieux répondre aux questions, nous pouvons conseiller les gens sur l'activité réelle des requins dans cette zone. Malgré ces arguments, des voix se sont élevées contre l'utilisation des drones. Certains craignent pour la vie privée des baigneurs et des maisons en bord de mer.